Bonjour et ravie de vous retrouver sur la chaîne de la Petite Sève. Aujourd'hui, on parle culotte périodique et je vous montre comment la fabriquer en 4 étapes. Alors, la première, le patron. Comment réaliser le patron de cette culotte. La découpe des tissus, l'assemblage et la pose des élastiques. Voilà, à tout de suite. De ce patron, je vous l'ai dit, ça se fera en 4 étapes. Pour la réalisation de cette culotte périodique, pardon. Donc, il vous faudra donc un patron, des tissus. Donc là, moi, j'ai un jersey avec un peu d'élasticité, mais pas trop non plus. Il n'est pas trop mou, quoi, je veux dire. Du pull. Donc le pull, c'est ce qui sert pour les couches lavables également. Donc il y a une partie ici imperméable et une partie nylon. Mais c'est surtout le côté imperméable qui nous intéresse. Et du tissu éponge. Mais après, vous pouvez choisir d'autres tissus. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit absorbant parce que ça, c'est ce qu'on va venir mettre dans le gousset de la culotte et qui va venir donc absorber notre flux. Donc voilà pour les matières. Ah oui, et puis j'allais oublier aussi le principal, évidemment, de l'élastique à culotte. Donc là, j'en ai du noir, du blanc avec des petits festons. Il est en deux parties, enfin, il est en deux faces. Une face là qui est un peu plus douce et ici qui est plus rugueuse. Donc une face qui sera contre notre peau et l'autre face qui sera à l'extérieur. Et mon élastique pour plus de facilité est un biais. C'est-à-dire que je l'ouvre au milieu et je vais venir prendre en sandwich toutes mes épaisseurs. Mais ça, on le verra dans la quatrième étape de notre culotte. Parce que comme je vous le disais, on va la réaliser en 4 étapes. Déjà, on va s'occuper du patron pour la première étape. La deuxième, la découpe des tissus. Troisième, on assemble tous nos tissus. Et quatrième partie, donc la pose des élastiques. Voilà. Alors, on commence par déjà le patron. Soit vous avez déjà un patron que vous avez pu récupérer dans un magazine. Je sais qu'Octobre avait sorti des magazines avec des modèles. Après, il existe des livres. Moi, ma culotte, mon patron, là, je l'ai pris sur Nuantine, un livre de Nuantine que j'ai adapté. Je l'ai redessiné un peu avec mes formes. Sinon, si vous n'avez pas du tout de patron à décalquer, à recopier, vous pouvez très bien réaliser votre propre patron à partir d'une de vos culottes que vous allez tout simplement... soit c'est une vieille culotte et vous êtes prête à la condamner, sinon il faudra vous prendre un peu plus la tête. Mais voilà, si vous avez une vieille culotte prête à condamner, vous coupez là les côtés, vous l'ouvrez en deux, donc vous aurez... Hop, je la positionne. Vous aurez un dos, hop, vous l'ouvrez, vous allez avoir le devant en face. Et vous essayez de bien la mettre à plat et de venir récupérer toutes les formes qui conviendront pour votre culotte. Voilà, ça c'est pour la base. Donc là, moi j'ai des patrons qui se présentent comme ça. Donc ce sont là un demi-dos ici, un demi-devant et là un demi-gousset. Donc souvent, si vous avez un patron que vous avez récupéré dans un magazine, ça se présente en trois parties. Il y a un dos, un devant et le gousset. Là, j'ai assemblé dos, devant, gousset pour me faire une partie entière. Ou plutôt une demi-partie entière, puisque là, je vais venir placer mon patron au pli du tissu pour ensuite avoir ma culotte entière. Là, donc, je vous le répète, j'ai un demi-dos, demi-gousset, demi-devant. Et j'ai reporté le gousset comme je le souhaitais. Donc ça, c'est moi qui l'ai refait. Parce qu'on commence d'abord par avoir donc notre culotte là entière et on vient dessiner par la suite le gousset comme on le désire. C'est-à-dire selon notre flux, puisqu'on est en train de réaliser une culotte périodique, selon notre flux, notre habitude, je sais pas, de travail, est-ce qu'on est sportive, est-ce qu'on est plutôt assise, est-ce qu'on est plutôt debout à marcher, bref, on aura toutes des attentes différentes. Donc, dessinez votre gousset comme bon vous semble et ce qui vous paraît le plus confortable et efficace pour vous. Donc, vous pouvez le remonter davantage là sur la fesse ou davantage sur le devant ou le décaler, peu importe. Vous allez peut-être faire une ou deux culottes d'essai avant de trouver ce qui vous convient le mieux. Voilà. Sur votre patron, on met les marges de couture en haut, en bas. À la taille, donc taille dos, taille devant, et sur les côtés. Sur les bords ici,
C'est comme si il y avait mince. Bref, ce n'est pas une marge de couture là, que j'ai dessinée ici. Là. Ma marge de couture est vraiment là et là. J'aurais dû l'effacer. Tant pis. Donc, une fois qu'on a déterminé notre gousset sur le patron, donc le mien, vous voyez, il est dessiné ici et ici, on vient le reporter sur une feuille à part pour se faire donc notre deuxième pièce de patron. Parce que pour cette culotte périodique, j'ai que deux pièces de patron. Donc, un devant, deux goussets, tout assemblé, qui est scotché, que j'avais scotché ici avant pour les assembler. Et mon gousset à part que j'ai redessiné. Donc, le mien, voilà, il se présente comme ça. Il monte un peu sur le dos et voilà, un peu aussi sur le devant. Moi, ça me suffit. Maintenant, je vous dis, hein, vous l'adaptez comme vous voulez et comme ça vous convient, à vous. J'ai reporté donc mon gousset ici. J'y ai rajouté les marges de couture en haut et en bas, enfin au dos et au devant. Et voilà, on peut partir comme ça. Alors, on passe à la deuxième partie de ce tuto qui est la découpe des tissus. Alors, on va commencer par découper la culotte. Donc là, j'ai un morceau de jersey ici que je vais donc plier en deux puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, ma culotte est demi-entière. Donc je plie mon tissu comme ça. Donc j'ai bien à l'envers là contre moi et je vais venir positionner. Mon patron de culotte sur mon tissu. Voilà, je suis bien au pli et je viens épingler. Quand vous dessinez votre patron, veillez bien également à avoir des angles droits à ces parties-là et là. C'est-à-dire ici, c'est sur les côtés, sur le haut des côtés, au niveau de la taille. Et là, c'est la taille également, mes côtés, enfin donc au pli du tissu. Pareil ici et ici. Pour que quand vous allez découper votre patron, il n'y ait pas de pointe ou à l'inverse de creux qui se soient formés. Vous allez voir, la réalisation de cette culotte n'a rien de compliqué et ne coûte pas très cher quand on le fait nous-mêmes. D'autant qu'il y a pas mal de matières que l'on peut recycler. Ce que vous voyez là pour le jersey, il nous en faut pas des tonnes. Donc je pense que c'est très facile de regarder dans nos placards si on a des chutes. Et puis la serviette éponge, bah, c'est pareil, hein, une vieille serviette que vous n'aimez plus, et ben, elle peut très bien servir pour le gousset donc, de cette culotte. Il y a juste le pull par contre, bah, soit vous avez des chutes aussi, hein, ceci dit, si vous en avez déjà servi, mais personnellement je n'en avais pas, donc ça j'ai vraiment dû l'acheter. Alors on commence là, déjà découper ça. Thank you.
là, donc là, j'ai le devant, le dos de ma culotte. Et maintenant, on s'occupe du gousset. Donc, le gousset, il va nous le falloir en dans trois tissus. Donc, je reprends mon jersey. Est-ce que ça rentre là-dedans ? Non, pas du tout. Je reprends mon jersey. L'envers est devant moi. Et je le replie. Je peux positionner comme ça et récupérer un peu de cette partie-là. Impeccable. Et on épingle. Pour le gousset, c'est également important d'avoir des angles droits à cet endroit-là aussi, c'est-à-dire à la partie qui est au pli du tissu. Toujours pour ne pas avoir ni creux ni bosse comme ça quand vous ouvrirez votre tissu. Voilà, et on passe à la déco. Voilà. Donc, un premier gousset là dans le jersey. Maintenant, on va faire un deuxième gousset dans le tissu éponge. Parce que notre gousset donc, va être composé de trois parties. Je vous l'ai déjà dit, le jersey, le tissu éponge et le pull. Je refixe mon gousset. Voilà, et on est reparti. Voilà pour notre deuxième partie. Là, je vais quand même récupérer le patron. Et nous allons découper le pull. Je récupère mon patron. Je mets ces deux parties-là de côté. Hop. Avec donc là, ma culotte, mes deux parties de gousset. Et la troisième, donc le pull.
Alors, comment je vais pouvoir le positionner? Tac, ok. Ça y est, t'éponges, ça met plein de peluches partout. Décidément. Voilà. Alors là, faites attention de ne pas planter les aiguilles n'importe où, puisque le but, c'est de ne pas percer le plastique. Donc là, vous voyez, je vais venir positionner mes aiguilles plutôt dans la marge de couture. Voilà. Et voilà. Ça devrait être bon pour la découpe. Je vais simplifier la vie. Voilà. Je le répète également, j'ai mis des marges de couture ici et ici. Là, on dirait que j'en ai une de dessinée sur mon patron. J'aurais dû la gommer, je n'y ai pas pensé. Mais je n'ai pas rajouté de marge de couture quand j'ai reporté mon gousset, quand j'ai dessiné mon gousset. Puisque tout va être pris en sandwich, voilà, il y aura pas, on ne va pas enlever de matière, il n'y aura pas d'ourlet, quoi. Donc, ne rajoutez pas de marge de couture, sinon vous allez être serré à la cuisse, hein. Voilà, et eh bien nous avons donc cette deuxième étape est terminée. Nous avons toutes nos parties de tissu, donc ici le pull, la partie éponge et la culotte entière. Donc on va passer maintenant à la troisième étape. On passe donc à la troisième étape. Voilà, donc là j'ai toutes mes parties. Donc le pull, vous pouvez le mettre en fait dans le sens que vous voulez. Moi, je le mettrais plutôt comme ça. C'est-à-dire la partie, je sais pas, vous voyez la partie un peu brillante qui est donc imperméable en premier, enfin face à nous. La deuxième couche qui est la serviette éponge ici et la troisième couche qui est le jersey. Alors, il se met dans ce sens-là. Vous voyez, je vous le disais, la serviette éponge, ça fait plein de petits trucs comme ça. On en met partout. Vous inquiétez pas. Mon coup d'aspiro, ça part.
Voilà, donc je les superpose et là on va constituer notre gousset. Notre gousset renforcé. Donc pour ça, on les met bien l'un par-dessus l'autre. Voilà. On va venir les épingler pour les tenir ensemble. Et ensuite, on va venir faire des points là tout autour, des points de maintien. Pour pouvoir ensuite ajouter ce gousset qu'on aura constitué à notre culotte entière là au milieu. Donc, pour pas que tout bouge vu qu'on a trois couches, on va venir donc faire une couture de maintien. Donc ça, c'est une couture que je fais à grand point avec ma machine à coudre. Donc je me mets en largeur de point à peu près à 4,5 ou 5. Donc c'est vraiment pour faire du maintien. Et on se met tout au bord, tout au bord. Si pendant cette couture, vous n'arrivez pas à prendre toutes les couches, c'est pas très très grave. Le but, c'est vraiment de maintenir au maximum quand on viendra placer la culotte dans, le gousset dans la culotte. Voilà, donc là on va épingler. Donc pareil, hein, essayer d'épingler au plus près des bords pour pouvoir, là dans les marges de couture en haut, ok, et au plus près des bords de votre tissu pour pas percer le pull et du coup qu'il ne soit plus imperméable quand vous mettrez votre culotte. Si vous avez... Ouais. Si vous avez une surjeteuse, à la place de la couture de maintien, vous pouvez aussi venir surjeter tous les bords. Tac, tac et tac. C'est aussi la bonne solution. Sinon, oui, à la place de la couture de maintien, vous pouvez aussi faire, au moins pour le haut, là, un point zigzag pour arrêter les petits bouts qui partent. Mais ce n'est pas obligatoire parce que vous allez voir, on va faire une couture décorative. Je vous montre ici. Là, une couture décorative donc pour pouvoir maintenir le gousset en haut. Donc c'est ce genre de couture là qui retient quand même, qui pourra remplacer le point zigzag. Donc voilà, trois solutions s'offrent à vous. Soit vous faites une couture de maintien sur tous les bords pour pouvoir positionner votre culotte, enfin votre gousset correctement dans la culotte. Soit vous faites un point zigzag pour aussi, pendant votre assemblage, arrêter ces petits moules là qui se sauvent. Soit vous avez donc une surjeteuse et dans ce cas-là, n'hésitez pas à surjeter tous les bords en ayant un point qui soit pas trop large pour qu'il ne dépasse pas quand on fera la pose élastique. Ben voilà, typiquement là. Voilà, donc essayez d'avoir un point pas trop large. Mais par contre, ça c'est l'idéal parce que ça va bien aplatir les bords et après pour la pose élastique, ça sera plutôt bien. Mais bon, tout le monde n'a pas de surjeteuse et vous en sortirez très bien sans. Voici, j'ai assemblé donc les trois parties du gousset, les trois épaisseurs. Donc pour vous montrer, j'ai là surjeté sur le haut et j'ai fait ma couture de maintien là sur les bords. Et c'est vrai que c'est là que c'est intéressant quand même de faire la couture de maintien puisque comme il y a trois épaisseurs, que là c'est pas très large, ça a vite fait de bouger. Hein. Là, ça s'est un petit peu décalé là, donc c'est pas très très grave en soi. Là je vais venir recouper parce qu'il me semble un peu superficiel. Voilà. Maintenant que j'ai vu que là, ça s'était décalé, il faudra juste que je fasse attention au moment de l'assembler à l'intérieur de la culotte. Bah là aussi, ça n'a pas pris. Donc au moment de l'assembler dans ma culotte, de
et que je poudrais l'élastique, mais ça, je vous montrerai. Hein. Donc, de veiller à bien prendre les trois couches ici. Là, du coup, j'ai peut-être mon ombre encore un peu. Voilà. Et puis, donc, la couture de maintien également, parce que vous voyez, ça a tendance à vriller vu qu'il y a trois épaisseurs. Mais ça, ça n'a rien de. C'est pas grave du tout, quoi. Une fois dans la culotte, ça se verra même plus. Donc, on passe maintenant à l'assemblage du gousset à la culotte entière. Donc, je reprends mon patron que l'on a découpé tout à l'heure. Voilà. J'ouvre ma culotte. Je me mets sur l'envers, c'est-à-dire ce qui sera l'intérieur de la culotte. Là, j'ai le devant, j'ai le dos, on reconnaît, hein, les fesses. Hop, et pareil pour le gousset. Donc, la partie qui est la plus importante, généralement, c'est celle qui est aux fesses. Mais ça, voilà. C'est vous qui aurez déterminé votre gousset. Et on va venir l'épingler à la culotte. Et ensuite, on va venir faire donc ce point décoratif ici et ici qui permettra donc de maintenir le gousset au dos et au devant de notre culotte. Pour l'instant, on épingle. Toujours pareil, veillez à bien mettre vos aiguilles sur bien les bords pour ne pas percer votre poule. Hein. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai bien épinglé mon gousset et je vais venir maintenant le coudre à ma culotte ici. Donc je vous l'ai dit, pour ça, moi j'ai choisi un point décoratif qui est un point de surjet qui se trouve sur pas mal de machines à coudre. Voilà, donc c'est une espèce de petit zigzag comme cela. Et c'est vraiment pour une couture de maintien. Et puis voilà, je trouve que ça fait joli sur l'extérieur de la culotte. Et sur l'intérieur, voilà, mélangé avec mon surjet de la surjeteuse, ça fait plutôt joli. Là, les petits moumous blancs, voilà, au bout de 2-3 lavages, vous les voyez beaucoup moins. Hein. Voici, si vous n'avez pas de point décoratif sur votre machine à coudre, un point zigzag fera très très bien l'affaire, évidemment. Là, vous êtes libre de choisir le point que vous voulez. Tout ce qu'il faut, c'est que ça maintienne bien. Voilà. Alors, voilà. Je viens d'assembler donc le devant et le dos. Non, le devant et le dos avec le gousset. Voici ce que ça donne sur l'envers. Voilà. Nous allons refaire une couture de maintien cette fois-ci pour la prendre également la culotte avec le gousset. Donc vous venez faire juste quelques points, voilà, par là, vous n'êtes même pas obligé de faire la totalité. Si vous voulez le faire, faites-le. Ce sont des coutures qui de toute façon disparaîtront dans l'élastique quand on viendra poser l'élastique. Voilà, j'ai fait ma couture de maintien qui est ici et ici. J'ai bien pris dans ma couture ma culotte entière. Et voilà, là tout est bien maintenu et pour la pose de l'élastique par la suite, ça va être très facile. Dernière étape là de l'assemblage, c'est les coutures de côté. Donc là, si vous avez une surjeteuse, c'est l'idéal puisque le point de surjet est un point qui est extensible. Du coup, pour les côtés de la culotte, eh ben, c'est plutôt bien. Si vous n'avez pas de surjeteuse, dans ce cas-là, eh bien, soit vous avez un point extensible sur votre machine à coudre et tant mieux, sinon l'idéal ça serait un point légèrement zigzag pour laisser l'élasticité, mais sinon tenter un point droit et puis si la couture doit péter, bah, vous remettrez un petit coup par la suite. Évidemment le point droit n'est pas extensible, mais bon, d'un autre côté là sur le bord, faites comme vous le sentez, quoi. Si vous avez un point élastique sur votre machine à coudre, préférez plutôt celui-là, sinon je crois que c'est pas si grave. Élasticité est évidemment davantage là sur la taille et puis ici sur le tour de la cuisse.
Et vous allez voir que de toute façon, pour positionner les élastiques, on les positionne avec un point, un point zigzag. Et du coup, voilà, il n'y aura pas de souci d'élasticité ou pas, puisque le point zigzag offre une élasticité. Voilà, donc là maintenant, on va associer les côtés de la culotte, juste ici et ici. À tout de suite. Voilà, j'ai associé les bords de ma culotte, enfin les bords, les côtés de ma culotte. Je la retourne. Vous voyez, elle est presque déjà quasiment finie. Il nous reste à positionner les élastiques. Donc là, avant de positionner les élastiques, veillez par exemple là. Enfin, n'hésitez pas à voilà, dégarnir les coutures pour que tout soit bien égal, c'est-à-dire les 3-4 matières, même maintenant, hein. Le jersey là, le pull, le tissu éponge et de nouveau le jersey pour que ça puisse être plus facile de les mettre dans l'élastique. Hop, je vais dégarnir au max, que ça soit bien propre. Et puis, c'est pas avec le peu que vous enlevez que vous allez déformer votre culotte ou quoi. On est bien d'accord qu'on dégardit à peine. Hein. Alors, du coup, je vous disais de ne pas rajouter de marge de couture. Mais c'est vrai que, voilà, si vous débutez à faire une culotte, finalement, de rajouter un petit 0,5 au niveau du tour de cuisse. Donc là, ce que je suis en train de découper, c'est peut-être pas plus mal. Parce qu'effectivement, comme le tissu bouge, et vous allez donc en enlever un petit peu... voilà, à la coupe, vous avez bien vu ce que je suis en train de faire là. Donc peut-être que ça vaut le coup, voilà, pour vos premières culottes, de rajouter 0,5, mais comme vous le sentez. L'idée, c'est de pas vous rajouter de la matière à l'entre, enfin, aux cuisses, autour des cuisses, sinon, enfin, trop de matière, oui, aux cuisses, parce que sinon, ça va rétrécir votre culotte et donc vous allez être plus serré, vous êtes plus serré. Donc là, faites vraiment comme vous le sentez. Voilà, et ben maintenant nous allons passer à la quatrième étape qui est la pose de l'élastique. Alors la pose de l'élastique c'est un peu particulier parce que il va falloir que vous tiriez votre élastique en même temps qu'on le positionne. Alors déjà, on va venir voir de quelle longueur nous avons besoin pour notre culotte. Donc tout simplement je pose mon élastique, là hop hop hop, je fais le tour. Voilà, donc là j'ai besoin de ça, ce qui représente 55 centimètres, sachant que comme je vais le tirer, je peux bien enlever presque 5 centimètres à ce que j'ai coupé là. Ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser... donc, on a dit, là, j'avais 55 cm. Et vous allez voir combien je vais recouper une fois que j'aurai positionné mon élastique. Parce que, comme je vous le disais, on va le poser comme ça. Et au fur et à mesure de la couture, en fait, on va tirer à chaque fois un peu sur notre élastique. C'est... comment dire ça? S'il faut le faire pour que l'élastique se positionne bien. Si vous tirez pas sur l'élastique, en fait, ça va un peu gondoler, ça va ressortir, je sais pas. Là, en le tirant, il viendra bien se plaquer et rentrer correctement à l'intérieur. Enfin, il sera bien positionné, quoi. Il viendra bien se plaquer contre votre corps. Et puis, voilà, ça offre aussi l'élasticité qu'on lui demande pour un bon maintien à notre cuisse. Donc ça, on va passer derrière la machine à coudre ensemble pour que je puisse vous montrer comment ça se passe. Donc, pour commencer, là... On va juste venir épingler. Donc moi je commence ici. Peut-être plutôt derrière. Ça se verra moins. Hop, donc je l'ouvre. Je vais me positionner là du coup. Je prends bien mon tissu en sandwich. Je vais me rapprocher de la caméra. J'ai pris mon tissu en sandwich et je viens mettre une aiguille, juste une, ici.
puisqu'après c'est nous qui allons tenir l'élastique au fur et à mesure et positionner notre tissu dans notre élastique au fur et à mesure de la couture. Voilà. Et je maintiens juste ici. Et voilà, on va passer derrière la machine à coudre. Alors pour coudre, j'enlève mon bras là pour pouvoir glisser ma culotte et pouvoir en faire le tour. Voilà. Je me mets là où j'ai mis ma petite aiguille. Donc c'est pour cette étape-là qu'on va respirer un grand coup. Être le plus zen possible. Il n'y a pas de grosses difficultés, mais voilà, faut accepter d'y aller tout doucement et d'y aller tout doucement, tranquillement. Donc là, mon tissu est bien positionné dans mon élastique. Je le maintiens là avec mon doigt. Je me mets donc avec un point zigzag. Donc chez moi, c'est là le 4. J'essaye de faire un point zigzag pas trop large. Donc là, moi, je suis à 2,5. Et peut-être le faire... Donc, alors, un point zigzag qui n'est pas trop large. Par contre, un petit peu serré, mais pas trop. Pour qu'il y ait un bon maintien. Mais qu'on puisse garder quand même de l'élasticité avec le point zigzag. Allez, on est parti. Je l'ai peut-être fait un peu serré, du coup. Donc, je le mets à 3. Voilà. Et puis... Non, c'est bon. Petit point arrière et j'enlève mon aiguille et c'est là que je vais tirer un petit peu sur mon élastique. Alors la difficulté, c'est de tirer un peu mais pas trop. Si vous tirez trop, je vous montre, hop, je tire et là si je maintiens, quand quand je lâche mon élastique, vous voyez, ça peut faire des fronces du coup parce que mon élastique est trop grand et trop petit par rapport à mon tissu. Donc l'idée, c'est vraiment de tirer un peu, mais pas trop. Là, on y va comme ça. Voilà, essayez de garder le point bien au bord de votre élastique, hein, c'est-à-dire de coudre, voilà, que le point zigzag soit là, mais donc arrive bien au bord là. Et on avance comme ça, tout doucement. Alors, les élastiques qui dépassent, les fils qui dépassent, n'hésitez pas à les couper. Ouvrez bien votre biais, positionnez votre tissu et c'est parti. Donc c'est pour ça que je vous disais que c'était pas nécessaire de rajouter de la marge de couture puisque voilà, on n'enlève rien au tissu, on vient rajouter donc cet élastique, mais du coup on garde la même largeur de tissu, on n'enlève rien quoi. Donc la marge de couture n'est pas tout à fait nécessaire, sauf donc vous avez vu à l'étape du gousset, peut-être que là on peut rajouter un petit peu pour pouvoir dégarnir librement et donner une jolie forme à la culotte. Allez, on continue la pose de l'élastique. Donc là j'ai bien rentré au milieu, je tire mon élastique et on avance tranquille. Là, on va arriver au niveau du gousset, donc il y a un peu plus d'épaisseur, mais à la fois, le tissu se tient bien aussi. Voilà. Je referme. Et puis, au doigt, donc vous y allez aussi à tâtons, hein, voir si vous avez bien toute la matière sur toute la surface de votre élastique. Pour cette culotte, c'est vraiment la partie un peu fastidieuse, mais bon, vous voyez, ça se fait. Et voilà, on a fait le tour.
Ah oui, c'est vrai. Comme là, vous voyez, il y a des petits festons. Donc, quand je vais venir superposer mon biais de fin à celui de début, donc pour faire une jolie jonction, quoi, et une belle finition, je vais enlever un feston là de mon élastique pour pouvoir donc les superposer. Vous voyez, je l'ai rendu plus petit, plus plat. Et lui, donc, si je le tire, il va s'arrêter là. Donc, lui, je peux le couper ici. Voilà, je le tire et je viens donc prendre en sandwich le début de mon élastique. Comme j'ai coupé le feston, eh bien, je vais pouvoir... Voilà, avoir une jolie finition. Et voilà. Donc voilà, j'ai terminé. Vous voyez, j'ai pris en sandwich donc la fin j'ai pris en sandwich donc le début de mon élastique en enlevant donc le feston, et vous voyez, la finition est plutôt pas mal. Voilà, alors notre culotte, nous avons posé le premier élastique à notre culotte, un premier tour de jambe. On a bien pensé donc à tirer sur l'élastique, vous voyez, comme ça il se positionne bien et il n'est pas il relève pas vers l'extérieur. Quoi d'autre? Le point donc zigzag, voyez, garde une élasticité. Veillez bien à choisir un point pas trop large, mais pas trop petit non plus, et à ce qu'il soit pas trop serré dans le zigzag, voyez, un peu plus espacé, quoi. Là, pour vous montrer, quand je vous disais, si on tire trop sur l'élastique, ça peut faire des petites fronces. Donc là, voyez ici. Bon, là, c'est pas catastrophique, hein, mais voilà, c'était pour vous montrer que si on tire davantage, ça froncera plus, et du coup, vous aurez aussi un tour de cuisse qui est plus serré. Voilà pour le petit récap. Et ben, on va s'occuper de la deuxième jambe et ensuite de la taille. Voilà notre culotte. Enfin, on a fini d'assembler les élastiques à la culotte. Voilà, et là je trouve qu'on voit bien du coup ici le fait d'avoir tiré sur l'élastique, vous voyez, donc l'élastique rentre un petit peu et c'est ce qui fait que votre culotte tiendra bien et à votre taille et au tour de cuisse. Voilà, ce tuto touche à sa fin et je suis vraiment très contente de vous avoir montré comment faire cette culotte. C'est ma petite contribution à... J'ai pas envie de parler d'actes féministes, mais presque. Dans le sens où, voilà, on est toujours en train de courir à acheter tout un tas de choses pour nos règles. Tout n'est pas dans des matières que je trouve respectueuses de notre corps. Là, en faisant nous-mêmes nos culottes, et ben ma foi, je voulais pas préciser, mais par exemple, mon jersey est un jersey bio. Mon tissu éponge est un tissu Ecotech. Et bon, bah, il y a juste l'élastique je sais pas s'il est ni bio ni Ecotech, je ne pense pas, mais bon, c'est quand même une partie qui vient pas toucher, mes muqueuses, donc j'ai envie de vous dire, ça me dérange moins. Voilà, le prix que ça coûte aussi en magasin, bah là, vous voyez, on peut le faire nous-mêmes et avec des chutes de tissu, ça, voilà, ça demande pas énormément de tissu. Donc ça coûte évidemment beaucoup moins cher de les faire soi-même. Ensuite, eh ben, on peut les adapter voilà, très facilement à notre mode de vie. Enfin, voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre pour vous convaincre. Et bref, est-ce que j'ai besoin de vous convaincre d'ailleurs? Je vous dis à très vite sur la chaîne de la petite Sève et j'espère sincèrement que ce tuto vous aura été utile. Je vous dis à très vite. Bye bye.